Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce un peu particulière car ce n'est pas une soluce de sanctuaire, c'est une soluce de tour. Alors quelle tour ? Donc je vous montre, c'est celle-là. Tour des hauteurs Gerudo que j'ai trouvé un petit peu plus compliqué que les autres. Donc je vais vous montrer pourquoi. Alors pour le début, donc moi je me suis TP d'ici, tour du canyon Gerudo, et au loin j'ai aperçu les fameuses lumières reconnaissables hein, des tours de reconnaissance. Je sais plus comment on dit dans Tears of the Kingdom, si c'est tour de reconnaissance ou autre. Enfin bref, donc là il n'y a pas de, par rapport à certaines autres tours où il y a une personne qui vous dit que voilà, elle a un problème, qui vous explique un peu comment le résoudre. Là on a juste un journal ici qui va nous expliquer que des travaux ont été effectués, qu'il y a une tempête, qu'ils ont pu aller se placer dans la grotte. Donc on comprend aisément qu'il faut se rendre dans la grotte et qui est heureusement juste là. Donc la grotte est ici. N'hésitez pas, dans les vidéos, je fais mon maximum, vous voyez, pour vous montrer où se trouvent les tours. Je lis vos commentaires et j'essaye vraiment d'en tenir compte. Donc s'il y a des choses que je ne fais pas, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous dis, je lis et je tente de m'améliorer et de faire au maximum pour vous aider. Donc s'il y a quelque chose là que je n'ai pas fait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je répondrai et ça m'aidera aussi pour les prochaines vidéos à faire un petit peu mieux. Donc voilà, il faut sauter sur cette planche. Vous allez vous laisser guider. Donc dans cette grotte, il y a énormément de choses, hein, vous voyez. Mais par contre, les courants sont hyper forts. Donc si vous sautez à l'eau, vous allez vous retrouver vite. Vous ne pourrez pas nager quoi, à contre-courant, c'est compliqué. Donc on se laisse guider. Et là, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment ouvrir cette tour de reconnaissance. Donc là, il y a la descente qui va, hop, qui va nous faire atteindre le second palier. Donc là aussi, hein, il y a des choses sympas à les récupérer. Mais là, le but, c'est vraiment d'aller ici. Donc, vous utilisez infiltration. Pas là, hein. Vous attendez, parce que moi, j'ai vraiment eu du mal quand j'ai compris qu'il fallait s'infiltrer. J'ai eu quand même pas mal de difficulté à trouver le bon angle pour m'infiltrer au bon endroit. Je me suis retrouvée devant. Enfin bref. Allez, se monter sur celle-là. Vous voyez, c'est galère. Hein. Moi, ça va, j'ai de l'endurance. J'ai qu'une vue pourrie. Où est-ce que ça m'emmène? Ok. Hop, on va se mettre ici. Et on va relancer pour s'infiltrer. Voilà. Hop. On s'infiltre. Et ça vous amène dans la tour. Donc ici, si ça vous amène là, c'est pas grave. Hein, ça vous ouvre la porte. Il faut vraiment vous retrouver ici. Pour pouvoir ensuite aller activer le système là et celui-là, tout simplement. Donc je vous remontre une dernière fois où ça se trouve sur la map. Donc hop. Moi, je me suis TP ici. J'ai vu la lumière de la tour assez rapidement. Et suivez, voilà le tuto que j'ai pu que je viens de vous faire. Donc, pour vous extraire et vous infiltrer dans la tour de reconnaissance. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie et à très très bientôt les amis. Bye bye.